Coucou les loulous, donc c'est parti pour une autre vidéo sur le Dyson V6 Matresse. Donc je vous avais promis la dernière fois qu'on ferait une vidéo sur tout ce qu'on peut faire avec le Dyson. Donc on a déjà fait le matelas de papa et maman, le matelas de bébé, on a fait un tout petit peu le tapis de bébé aussi, mais je referai vraiment une vidéo complète sur tout ce que j'ai ramassé sur le tapis. Et là, j'ai pensé au tapis pour chien, hein, puisque évidemment, qui dit poils d'animaux, dit bactéries, dit acariens, dit saleté. Donc, je vais vous montrer. Donc, à savoir que c'est un chien en plus à poils longs. C'est un croisé Bosseron-Labrador. Donc il a des parties courtes mais des parties assez longues, il perd beaucoup beaucoup ses poils, il ramasse beaucoup de poussière derrière lui. Donc voilà, le temps de mettre pause et je vous montre tout de suite ce que on va découvrir dans notre aspirateur. A tout de suite. Donc me voilà de retour avec mon invité surprise préféré. Alors, donc j'ai fait entièrement le matelas du chien et voilà ce que j'ai découvert. En sachant que j'aspire le tapis tous les 2 jours, en même temps que je suis l'aspirateur, donc on a quand même pas mal de petites choses. Voilà. Sur les prochaines vidéos, on fera ensemble le tapis de la chambre de Mini Crabe. Bon, en sachant que dans sa chambre, c'est pareil, hein, c'est fait tous les 2 jours, mais avec les animaux qui circulent, bébé qui court. Et j'en passe, obligatoirement, il y a quand même de la saleté qui s'incruste. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt!